Cette vidéo, je suis très dissipé, j'ai envie de manger du popcorn, les gars, il est 10h13. Musique country et popcorn, on est au Buffalo, frérot. Eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Euro Truck Simulator 2. Les amis, je suis très content de vous retrouver en ce lundi. J'ai l'impression que le lundi c'est le nouveau rendez-vous pour les vidéos Euro Truck. Alors ne prenez pas cette habitude, mais je le fais pour me faire pardonner parce qu'il y a moins de contenu sur Euro Truck en ce moment. Pour plusieurs raisons, on aura l'occasion d'en parler durant cette vidéo. Mais avant de démarrer cette vidéo, plein de choses à vous présenter. Évidemment mon camion, mais d'abord, on est sur Grand Utopia. Aujourd'hui on va faire une livraison particulière. On est de retour sur Grand Utopia, je vais vous expliquer pourquoi j'ai un problème de contenu sur Euro Truck. On va en discuter tout au long de cette vidéo. Il faut qu'on débatte un petit peu, mais d'abord voilà, pourquoi on est sur Grand Utopia? Justement parce qu'on a une route qu'on n'a jamais faite, qui part de Saint-Benoît. Alors regardez la route, elle a l'air très sympa. Donc toute la route en rouge, on l'a jamais faite, hein, je vous le dis. La Nationale 3, on passe par Jean du Bartail, on rejoint la Départementale 13, on reprend la N3, donc on traverse l'autoroute. Donc il n'y aura jamais d'autoroute hein, durant cette vidéo. Un petit trajet donc de 27 minutes et on arrive sur Dolan-sur-Mer. Voilà pour le trajet. Et donc d'ailleurs, regardez, je peux enlever les points juste pour vous montrer. Voilà, j'ai jamais pris cette route. Vous voyez, tout est en noir. Ce qui est en blanc, c'est les routes qu'on a déjà prises. Et voilà, le problème, c'est que Grand Utopia, on a déjà beaucoup exploré. Et le peu qu'on n'a pas exploré, c'est des autoroutes. Et je vais pas vous mentir, l'autoroute, c'est pas le contenu qui me plaît le plus. Voilà, donc le trajet d'aujourd'hui, nous allons livrer. Je ne peux pas vous dire ce qu'on va livrer, puisque c'est top secret. Je n'ai pas le droit de le savoir pour cette livraison. J'ai repris ma petite remorque sympa, voilà, mon petit bâcher comme il faut, qui fait plaisir. Et à l'intérieur, on m'a mis des palettes, j'avais pas le droit de regarder. C'est même pas moi qui vais décharger à la fin. Je suis au courant de rien, voilà, j'ai pas le droit de savoir. Je suis avec un nouveau petit camion. Alors, c'était un camion qu'on avait déjà utilisé à l'époque. C'est un Scania que j'ai recustomisé. Alors évidemment, je me devais de le faire. Les amis, juste, on n'est pas dans une démarche politique, d'accord? On n'est pas dans... Eh, juste, attendez, regardez les clignotants sur la remorque derrière. Voilà, ça c'est grâce au mode... je sais plus lequel, mais je mettrai en description. Et c'est vous qui me l'avez recommandé, donc vraiment, c'est trop kiffant. Et pareil, hein, les customisations de ce camion, c'est grâce à des mods et tout, c'est trop cool. Mais pour ce qui est... Et regardez le devant, normalement. Voilà, vous avez vu les... Bon bref, ça me fait kiffer là, il y a des rampes de LED qui ont été rajoutées. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Bref, oui, donc juste, petite parenthèse, on n'est pas là pour parler politique. Mais voilà, j'ai pris le DLC de peinture ukrainien. Et donc voilà, c'est très sympa en vrai, hein, c'est très sympa. Et donc c'est aux couleurs de l'Ukraine évidemment. Mais on n'est pas là pour parler politique, on n'est pas là pour dire qui est gentil, qui est méchant. Puisque de toute façon dans l'histoire, il n'y a ni gentil ni méchant. Bref, j'ai dit on parlait pas politique, ah. Pardon, allez, non vraiment en tout cas paix dans le monde, peaceful et bon courage à tous les concernés. On n'est pas là pour faire des débats là-dessus, mais voilà, je pense que vous avez compris le message. En tout cas quand il s'agit de soutenir, on est toujours là et voilà, on va pas non plus faire les hypocrites, mais tu m'as compris. On va se mettre une petite radio, country du coup pour changer durant cet épisode. Une très chouette radio et nous on est parti en manuel pour découvrir une nouvelle route de Grand Utopia. Et ça, ça fait plaisir. Sur de la country, ça régale. Et sauf qu'on sait pas ce qu'on transporte. Ça, c'est la petite subtilité. Avec notre petite remorque. Merci l'Elex, encore une fois, évidemment. C'est l'Elex hein, qui a fait cette remorque. Ne l'oublions pas. On est parti, les amis. Je suis en manuel. Une boîte 6 vitesses hein, sur ce camion. Donc, rien de plus classique. Voilà. Alors, tout ce que je sais sur ce qu'on transporte, bien sûr, c'est que c'est pas très lourd. On peut y aller hein, tu vois. Mais c'est juste qu'on sait pas ce qu'on sait. On sait pas ce que c'est. Voilà. J'arrive plus à parler. Bon les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe au mieux de votre côté. Merci également aussi hein, pour vos retours sur toutes les dernières vidéos, parce qu'il y en a eu pas mal hein, entre le projet qui se dévoile. Parlons-en. Entre la dernière vidéo sur Euro Truck aussi. Tout ça, toute direction. Waouh. Bonjour, ça profite de la vie là, c'est sympa. Hein. On va quitter Saint-Benoît. Alors attendez, on va juste un petit peu se concentrer. Il n'y a personne, c'est formidable. Hop. Voilà. Alors j'ai mis aussi le GPS en double, je vous rappelle. Hein, pour ceux qui découvrent la chaîne et qui se disent pourquoi il y a deux GPS. Pourquoi j'ai mis le téléphone. Tout simplement. Tout simplement pour voir loin. Parce que le problème avec le GPS à droite, vous le voyez, bah c'est que c'est horizontal. Alors que le téléphone, ça permet d'anticiper les prochaines intersections. Hop, excusez-moi, j'ai oublié le clignotant. Voilà, c'est très joli hein, au bord de mer comme ça. Hein.
Bref, donc voilà, comme ça vous le savez. Par contre, j'ai pris aucune note. La seule truc que j'ai pris en note, les gars, c'est par rapport à la vidéo d'L7C Fox. Si ça vous intéresse, les gars, il a sorti une vidéo hier. Je vous invite à aller la regarder, elle est très sympa. Voilà, et je dis ça de manière hypocrite, c'est la première fois que je le fais. Parce que je l'ai pas encore vu regarder. Voilà, j'ai pas pu la regarder, puisqu'au moment où je tourne cette vidéo, elle est pas encore sortie. Mais je sais que hier, au moment où cette vidéo sortira, L7C Fox aura sorti une nouvelle vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la regarder, moi je la regarderai évidemment, mais quand elle sera dispo chez moi quoi. Voilà, c'était le seul truc hypocrite de la vidéo, mais voilà, je mettrai la chaîne d'L7C Fox dans la description. Chacune de ces vidéos là, ça fait kiffer, parce qu'en plus ça faisait un petit moment qu'il était absent aussi, donc voilà, il est de nouveau un petit peu de retour. Et on dit merci à Miss, voilà, elle saura pourquoi. Du coup, parlons bien. Non, on va beaucoup parler, hein, on a une petite vingtaine de minutes, donc c'est pas très long. J'espère que je vais avoir le temps de parler de tout ce dont j'ai envie. C'est un plaisir de retourner sur Grand Utopia. Mais c'est vrai que j'ai un problème avec Euro Truck en ce moment. C'est que je sais pas quoi faire. On a fini notre road trip en Islande. J'ai plus envie de me faire une aventure. En soi c'est ça qui me manque. Mais j'ai plus envie de faire une aventure sur ProMode. On connaît, c'est bon quoi. Et les maps, j'ai essayé de retourner sur la map Rota Factor. J'ai pété un câble. Je vais être très honnête avec vous. J'ai pété un câble, donc c'est juste carrément la merde. Et les découvertes de maps en général, je suis désolé, mais les maps elles sont éclatées quoi. C'est des maps qui sont. Mais c'est dur à faire, hein. Je suis pas mapmaker, hein. C'est difficile, hein. Je comprends. Hein. Mais c'est pas la même qualité que Grand Utopia, que FSG Map hein, également, tu vois. C'est pas la même qualité quoi. Ils font des maps trop bien. Mais les découvertes de maps en vrai, c'est pas ouf. Je suis toujours déçu. Donc, à part faire des vidéos sur Grand Utopia et ce genre de map qualitative, je vois pas quoi faire sur Euro Truck et ça m'emmerde. Je vais être très honnête avec vous. Donc je suis content de faire cette vidéo là, d'être de retour pour une petite route. Mais après je ne sais pas quoi faire les gars. Il faut que vous me dites, prochaine vidéo sur Euro Truck, qu'est-ce qu'on fait? Parce que clairement j'en ai aucune idée. Et il n'y a rien qui match avec mes envies. Et c'est fort embêtant. Donc voilà, là on va un petit peu chiller un max. Et on va profiter du paysage et de ces routes qu'on n'a pas connues. Là le pont par exemple, on est déjà passé par dessus une fois. Salut la police. Les petites montagnes, là, regardez comme on est sympa. Ah là là, c'est sympa, là, ici. Hein. Ultra chill. Hein. Hop. On peut parler un petit peu de mes... des dernières vidéos. Alors, attendez, parce que je vous explique. La dernière musique qui est sortie sur la chaîne, parlons-en, vendredi. Insomnie. Merci beaucoup pour vos retours. Eh bien, sachez que demain, 16h, le concret arrive. Demain, 16h, tout sera concrétisé. Tout ce que je vous cache depuis des mois... Tout sera concrétisé, messieurs, dames. Et mercredi, un nouveau vlog. Voilà, comme ça, vous le savez. Donc, ça fait 3 vidéos de suite. Aujourd'hui, Euro Truck. Demain, une courte vidéo d'une minute. Hein, pour tout concrétiser. Et mercredi, vlog. Très sympa. Enfin, j'espère que ça va vous plaire, en tout cas. Et encore, j'ai pris quoi comme note? C'est tout. Ah oui, la vidéo sur la 1.44 aussi, là, le nouveau format. Je vous remercie pour vos retours. Ça fait trop plaisir. J'ai kiffé faire ça. J'ai kiffé voir vos commentaires. Et donc je referai ça dès qu'on aura des updates assez importantes. Qu'il y aura plein d'informations sur le SF Software Blog. Et je ferai une vidéo. Voilà, dès qu'il y aura assez d'actu compilé et tout, et je ferai une nouvelle vidéo. Et voilà. Il y en a qui m'ont dit attention, c'est parce que par exemple Transport 24 le fait aussi. Alors, avec tout le respect que j'ai envers Transport 24, je vais pas me limiter de faire un contenu parce que quelqu'un d'autre le fait, premièrement. Parce que sinon je peux arrêter Euro Truck, tu vois. Et deuxièmement, surtout, c'est pas pareil. C'est-à-dire que Transport 24, encore une fois, avec tout le respect que j'ai, Transport 24, il va sur le blog. Et il traduit tout ce qui est écrit dès qu'il y a une actu. C'est-à-dire que dès qu'il y a une actu, il fait tout de suite une vidéo et ça, c'est génial. Moi, je vais attendre qu'il y ait plusieurs infos. Et là, je ferai une vidéo condensée avec mes propres mots, mon propre résumé, en facecam, avec le fond vert, tout ça. Donc c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Donc voilà, comme ça, il n'y a pas d'inquiétude à avoir à ce niveau-là. Et voilà, ne vous y méprenez pas. Hein, parce que je vois venir les gens qui vont dire « Ah, t'as critiqué Transport 24 ?» Pas du tout. J'ai juste dit qu'on faisait pas pareil du coup. Et puis qu'encore une fois, de toute façon, en soi je fais ce que je veux. Je veux dire, à un moment donné, dans tous les cas, ça appartient à SCS Software. Donc si on parle de... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ah,
On va pas regarder. Un petit bug, on va pas regarder. Là 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 là. C'est pareil. Oh, j'en étais sûr. Dans une la dernière vidéo sur MyGotopia, il y a un commentaire qui a dit ouais, tu fais que des compliments. On dirait tu, enfin c'est comme si tu cachais quelque chose à mon avis. Enfin genre tu sais, comme si j'étais payé ou quelque chose comme ça. Tu m'as compris quoi. Alors que j'avais exprès dit dans la vidéo que ouais, forcément je vais faire des compliments et donc on va croire que j'ai des intérêts. Mais pas du tout. Le seul intérêt que j'ai, c'est de pouvoir vous proposer du contenu dessus à la limite, tu vois. Donc voilà, ça c'était rigolo. Je peux dire ce que je veux, si j'en... Tu vois, là on a vu le bug, voilà, bah on va fermer les yeux dessus. Mais c'est des choses qui arrivent. Voilà, voilà. Bah, on est pas trop mal, hein. J'espère que vous aimez bien un petit peu là cette country Jean du Bartail. Je découvre, hein. Alors attends, là c'est 50 quand même. Oh là là, il y a plein de gens et tout. Incroyable. Et ouais, good morning. Parce qu'il est 13h16. L'animateur, il est un petit peu en décalage horaire. Bah mais parce que c'est en fait c'est une radio aux États-Unis. Enfin aux États-Unis, même en l'Amérique quoi, tu vois, c'est et voilà, et donc du coup il y a le décalage horaire comme là on est en France. Donc voilà, c'est normal. C'est tout à fait normal. Hop là. Très sympa, hein. Profitons un petit peu. Hop hop. Profitons un petit peu. J'aime bien les peintures, enfin celle-là plus particulièrement, il y en a d'autres, elles sont pas folles. Mais voilà, bon, je me suis dit, c'est quoi, le DLC, il coûte quelque chose comme 1 euro, un peu moins d'un euro. Donc clairement, hein, je mettrai en description le DLC ukrainien, mais voilà. Oh, j'en ai rien à péter, moi, de ton feu rouge, moi. Ouais, ça va. Pff, toujours plus, eh. Toujours plus. Salut, tsa tsa tsa. Regardez les beaux petits paquebots. Magnifique. La petite Tassem Colo évidemment toujours présente, hein. Alors là on va pas prendre la mer évidemment. Qu'est-ce que c'est que ce carrefour là? Don't forget to put your fucking like on this video. M-Core Radio Station number one on country sound. Do you like it? Subscribe. This is the best channel ever on YouTube game. Gang gang. And all the fucking people who hate M-Colo and his content on TikTok, you are fucking asshole piece of crap. Fuck you bitches. Voilà, il a... Excusez-moi, je suis désolé, je sais pas qu'est-ce qui lui arrive là à l'animateur là. Il a pété un câble, hein. Je pense qu'il avait quelque chose gros sur le cœur qu'il avait besoin de dire. Bon, on va quitter Jean du Bartail du coup. Je pense que c'est une radio un peu propagande. Faire attention des fois. Allez, sous le soleil. Sous le soleil. Magnifique, magnifique. Et il est sympa le petit fanion là que j'ai accroché. Avec tous les pays... Alors est-ce qu'il y a tous les pays d'Europe? Je sais pas, j'en ai pas la moindre idée, je vais être très honnête avec vous. J'ai mis ça parce que je trouvais ça sympa. Parce qu'il y avait le drapeau ukrainien, qu'il y avait le drapeau allemand, français, belge, suisse, Finlande, si j'ai pas de bêtises, Angleterre et Turc. Et je crois que j'ai tout bien fait. Ah, et le Pays-Bas peut-être aussi, non? Non, pas du tout. La Roumanie, il y a la Roumanie aussi, je crois. Bon bref, je m'y connais très peu en drapeau, mais je crois que je les ai tous bien cités. Bon, pas dans l'ordre évidemment. Elles sont chiantes les routes à 70 là. Moi je veux rouler là. Là tu vois, c'est comme dans la vraie vie, c'est infâme. 50 km/h. Toujours plus, non? Un petit peu exagéré. Est-ce que j'ai encore de l'eau dans ma gourde? Aïe, je suis cogné. J'ai encore un peu de vin chaud. Je vais faire comme L7C Fox, attendez, bougez pas. Hop là. Ne pas faire ça en conduisant. Oula, attention tout de même là. Très dangereux ça. Voilà, on va peut-être pouvoir un petit peu rouler de nouveau. Magnifique. And yeah, everything is okay. Country road, take you home. Down the streets, this is M-Core Radio Station. Il va y avoir un accident là devant nous là, non? Qu'est-ce qui se passe devant? Frère, il a failli lui rentrer dedans, hein.
carrément, vous avez vu ce qui vient de se passer là? J'ai bugué là. Il a du mal à avancer le camion devant. Pourtant, enfin, c'est juste un camion avec du feu, non? Enfin, avec des matières inflammables. Un camion avec du feu. Mais qu'est-ce qu'il nous fait? Attendez, je vais peut-être le doubler en vrai. Hein. C'est pas RP, j'en ai rien à foutre. Je fais ce que je veux. Puis si dans la vraie vie j'avais envie de le faire, je le ferais. Hein. Vous êtes pas la police, à ce que je sache. D'accord? Hop. Très bizarre. Très bizarre. Mais en plus, la 3008 derrière, vous avez vu, elle lui a foncé dessus. Moi, je me suis dit, ils vont piler net tous les deux, ils vont se rentrer dedans. Regardez, il y a un ranch sur la musique country, c'est juste magnifique. C'est pas du tout un ranch, c'est un stade de football. Non, je sais pas ce que c'est. My goodness, je sais pas ce que c'est, mais c'est. C'est quelque chose, ça c'est sûr. Bon, ben voilà. Ah, vous avez vu, j'ai remis là pour le traquière là sur le côté. Parce que j'avais pas envie de mettre de casquette. Voilà. C'est tout. Ah, il faut varier les plaisirs. Hein. Il faut varier les plaisirs. Attendez, j'ai du popcorn. Attendez, parce que je suis très dissipé là aujourd'hui. Cette vidéo, je suis très dissipé. J'ai envie de manger du popcorn, les gars. Il est 10h13. Attendez, bougez pas. Salut la police. C'est pas ce que vous croyez. Hein. Eh les gars. Eh mais regardez, les gars, on est au Buffalo. Musique country. Et popcorn, on est au Buffalo, frérot. Je fais de la SMR. Faut pas que cette scène elle aille sur TikTok parce qu'il y aura des commentaires. Aucun intérêt, aucun intérêt. Le mec il profite même pas de la vie quoi. Le mec il roule un camion dans sa chambre quoi. Aucun intérêt quoi. Aucun intérêt. Good morning to peace on the world. This is a peaceful radio station. M-Colo radio station. Don't make war, make love. This is so Hop là. Salut daddy daddy dam. Allez là on va rejoindre la National 3. Oh c'est juste non c'est pas tout de suite. J'ai failli aller là. Je vous rassure, on va pas prendre l'autoroute hein. Parce que du coup là c'est direction autoroute. Nous c'est pas le but. Waouh, château de Chavenon. Trop stylé. Ah c'est vraiment trop stylé hein, pour le coup hein. Petite plage et tout. Ah j'aime beaucoup hein. J'ai envie de monter sur le parking là-haut les gars. Attends, on est là pour se faire kiffer ou pas? En vrai on est là pour se faire kiffer hein. Si déjà... Oh là 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 là, c'est trop stylé. Ok j'avoue c'est stylé de ouf là. Arthur Chevenon. Alors, je vais être très honnête avec vous, je connais pas. Co-transport. Quality never goes out of. J'ai pas eu le temps de lire la suite. Alors attendez, on va juste faire un détour. Ah non, c'est un sens interdit, putain. Ah, c'est trop dommage. Ah, c'est trop dommage. C'est trop dommage. Attendez, on va faire une miniature ici. Hein. Les gars, la miniature, elle se fait ici. Hein. Magnifique. Pesez en bas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, évidemment, les amis. J'espère vraiment que vous kiffez. Voilà, c'est une petite vidéo de chill, chillax. Et comme dit, surtout, plus important, en commentaire, hein, me proposer vraiment le prochain contenu, quoi. Sauf si vous connaissez vraiment une map ou quoi. Parce qu'évidemment, ça m'empêchera pas de retourner sur MyGotopia quand il y aura des mises à jour, etc. Mais voilà. Quelles seront les vraies prochaines vidéos? Parce que là je vais attendre un petit moment avant d'avoir des updates de My Goodness. Tout à fait normal. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va faire en attendant quoi? Parce que je sais que vous aimez l'Euro Truck. Et vous aimez quand je roule. Donc il faut qu'on continue ça quoi. J'ai pas envie d'arrêter ça quoi. Mais je sais pas quoi faire. Oh la vache! Elle est super cette route. Non par contre voilà, ça c'est le genre de route qui me plaise. On roule un peu comme des foufous. Faut pas oublier qu'on a quand même une cargaison derrière. Et tout ira bien. On va remettre un peu le volume de nouveau là. Un peu de musique. Sympa hein. Alors c'est pour la blague évidemment hein. C'est des musiques libres de droit hein, je le rappelle. C'est pas le genre de country que j'écoute hein. Moi j'écoute du vrai ancien country. Mais c'est pas libre de droit. Donc du coup je mets ce genre de musique évidemment. Tintintin. Waouh.
Ça fait kiffer, hein. Oh mince, oh là là, ça fait 20 minutes qu'on est en vidéo et j'ai oublié de vous montrer un truc incroyable. À la fin de la vidéo. Alors attendez, à la fin de la vidéo, deux choses. Première chose, je vous montre un truc que j'ai mis sur le camion, qui coûte très cher. Deuxième truc, je vous montre un extrait d'une vidéo qui n'est jamais sortie, dont je vous parlais quand j'ai retenté de retourner sur la map. But if you want to suck my dick, you can suck my dick. Make love, not the war. Peaceful world. Et chelou l'animateur. Ouais les gars, je disais, vous savez que donc j'ai retenté de retourner sur la map. Du coup j'ai oublié son nom. La map compliquée là, avec les routes dangereuses là. Enfin les routes même arcades. Et donc j'avais retenté de faire une vidéo dessus comme je vous l'ai dit en début de vidéo et j'ai pété un câble. Mais du coup j'ai la vidéo, je vais vous montrer. Je vous montrerai à la fin de la vidéo un extrait, comme ça vous saurez de quoi je veux parler. Voilà. Faut savoir que j'étais démotivé surtout, hein. Bah en vrai je suis en train de réfléchir. Là je me remets en question en écoutant cette... Oh par contre il y a les gendarmes devant. En écoutant ce genre de musique là, en fait je pense, mais bon, le but c'est que voilà, c'est vous qui me dites ce que je dois faire, mais j'aimerais bien retourner sur American Truck. J'aimerais bien retourner sur American Truck. Et limite, parce que je pense que maintenant au bout de 2 ans, on a compris quoi. Et donc limite me refaire une aventure sur American Truck, chose que je n'ai jamais fait. Donc recommencer de zéro American Truck et faire toutes les routes et tout ça. Je sais pas, j'ai envie. J'ai envie de ouf. Et surtout ils pourraient fermer leur gueule les gens qui disent qu'il n'y a aucun intérêt. Parce que bah en fait conduire un camion et aux États-Unis c'est quelque chose que tu peux pas vraiment faire dans la vraie vie. Je sais pas, j'ai envie de le faire. Mais en même temps je sais que vous préférez Euro Truck American Truck, donc je sais pas les gars. Dites-moi, mais il y a une part qui m'excite. Il y a une part qui m'excite. Imagine là, tu. Rah, refaire une aventure comme sur Euro Truck, comme ce qu'on a fait. On recommence à zéro avec du bon camion américain, bien customisé, avec des mods, des DLC de nouveau. Et on se fait la conquête de l'Amérique. Tu vois ce que je veux dire? On ira au Buffalo et tout. Non, mais vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça m'excite de ouf. Et comme ça, même ceux qui sont pas fans d'American Truck, bah comme ça, vous pouvez continuer de jouer à Euro Truck. Et vous vous évadez en regardant mes vidéos sur American. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, hein. Dites-moi les gars, mais... Si vous êtes hypé par contre... Si vous êtes hypé, moi je suis... à 100%. Ok, on est arrivé. On arrive à la Marina. Donc c'est là qu'ils m'ont dit que je dois aller, hein. Encore une fois. Et donc pour... là je suis content parce que le déchargement c'est pas moi qui fait. Ça c'est cool. C'est un peu suspect. Mais bon, je sais pas ce que je transporte. Ce qui est sûr, c'est que ça va partir à la mer. Et je suis pas censé poser de questions. Tout. Alors, ils m'ont dit que je dois me garer où? Ah, là-bas, hein, ils ont dit. Hein. Je vais mettre là, du coup. Tout. Je vais attendre les ordres parce qu'il y a personne, visiblement. Hop, donc on va se mettre là, tranquillement. On va se mettre en stand-by. On va se mettre droit en tant qu'on y est. Frère, c'est de la musique allemande, ça, c'est pas de la... C'est pas de la country, ça. Je me croirais à Europa Park. Hop. Voilà, bon, on va se mettre là, hein. En attendant. Hop. Et je peux arrêter la radio. On coupe le moteur. Moi, je vais faire une petite pause pipi. Et on va tout simplement s'en arrêter là. Oh non, la surprise du camion. Attendez, je remets le contact. Les amis, attention. Ah voilà, c'est tout. Allez, merci à tous, hein. Peser, emballer. Moi je vais faire pipi. Ah ben voilà, ben, j'espère que vous avez kiffé là ce petit voyage, ce petit trajet très sympa là, le phare aussi là. Regardez comme il est beau mon camion, il est beau. En vrai il est beau le camion. Même le skin en vrai, malgré ce qu'il y a derrière, le skin quand même en vrai fait plaisir. Puis la remorque évidemment qui fait toujours régalade. J'ai des extincteurs normalement. J'ai mis des extincteurs ici. Là. Ah ouais, voilà. Bref, regardez la vue. Oh là là, magnifique. Oh, c'est beau ça. C'est beau ça. Ah, mais il y a le pont et tout ici qui traverse pour aller à Mygotopia là-bas. Attendez, on va pas aller si loin. Bref, voilà les amis, on va s'en arrêter là pour cette vidéo.
Encore une fois, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu qui fait plaisir, très important. Et puis, je vous quitte avec cet extrait où je me suis un peu énervé. Bon, en vrai, je me suis pas tant énervé que ça parce que j'ai coupé très rapidement. Mais bon, vous m'avez compris sur Rotafactor, la map. Voilà. Allez, des bisous. Ciao tout le monde. Ok, là ça enregistre. Oleg. Ça va être une drôle d'histoire. Eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. On va essayer de partir les amis, c'est pas chose facile hein. Surtout en pente, mais je vais essayer de me débrouiller. Allez c'est parti, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Voilà, ça c'était ma crainte, parce que déjà avant j'ai eu du mal. Ok alors attendez. Tu vois il veut pas. Vas-y. Bordel de merde. Attendez hein. Déjà là, je vais te niquer ta race en fait. Allez. Ok. Vache. Ah ouais, il en a rien à péter. Si je freine ça recule. Mais t'imagines? C'est ridicule. Non mais c'est ridicule. Hein. Mais putain! Tu vois, il veut même pas passer à vitesse tellement c'est la... Mais la pente, regardez, elle est à... Mais frère, les gars, elle est à... C'est improbable. C'est improbable ce qui nous arrive. Allez hop. Ça dégage. On retourne plus jamais sur cette map de mort. Hop.